solution, t'inquiète pas, on va y arriver, je te le jure. On va tout faire avec Félix, on va t'aider. Tu vas payer et tu en seras sorti, définitivement. T'inquiète pas, s'il te plaît, fais-moi confiance. C'est sûr, ça va marcher. Je sais pas, il faut essayer. Et on va trouver une solution, t'inquiète pas. Ah ouais? Et tu veux faire quoi? Mais je sais pas, on va réfléchir, écoute. Félix est sur le coup et il va nous aider, d'accord? Si tu comptes sur Félix pour nous aider, toi, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais si, écoute, oh là là. Il est bien, il est gentil, Félix. Oui, bah, il est gentil, ok, mais je sais pas, mais il veut pas nous aider, Félix. C'est mon frère, il va nous aider, ok? Il te l'a promis. Ouais, t'as pas confiance en lui ou quoi? Mais si, j'ai confiance, mais je sais pas. Je suis un peu inquiet, quoi. Et pourquoi t'es inquiet? T'as pas besoin, t'as pas, y'a pas à être inquiet d'un truc enfin, non. Écoute, on va trouver une solution et Félix m'a promis de nous aider, donc bon, ben, d'accord, écoute, merci. Non, c'est normal. C'est bon, mec. C'est normal que je t'aide. Ouais, mais non, c'est pas normal. J'ai l'impression de vivre à tes crochets, de... Ben, je sais pas, mais j'ai pas envie de vivre à tes crochets, quoi. Mais tu vis pas à mes crochets, écoute. C'est moi qui ai accepté, hein. Toi, t'as rien demandé. C'est moi qui ai dit oui, ok? Donc, on va trouver une solution et t'inquiète pas, ok? Oui, bon, bah, d'accord, ok. Voilà, hein. Ouais, en tout cas, hier, vous avez été vraiment gentil de me proposer votre aide. Mais non, c'est normal, écoute, tu fais partie de la bande maintenant. Tu fais partie de la famille, t'es mon mec. Ouais. Merci, merci. C'est normal.